Dans nos supermarchés, depuis quelques semaines, il y a un rayon que les consommateurs ont déserté, celui des plats surgelés. Les ventes de produits à base de bœuf se sont effondrées. 50% de baisse depuis qu'a éclaté le plus grand scandale alimentaire de la dernière décennie. Burke, c'est le mot du jour. Du cheval dans mes lasagnes, fendus, rôtis, trois de ces plats cuisinés. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Il y a comme un doute. Du cheval découvert dans des lasagnes, pourtant garanties pur bœuf. L'affaire a relancé le débat sur la malbouffe, car des millions de consommateurs se sentent trahis. On ne sait pas finalement trop ce qu'on mange et c'est pas normal. C'est quand même un petit peu scandaleux parce que on a trompé les gens. Car dans ce scandale à l'échelle européenne, ce sont les méthodes des industriels de l'agroalimentaire qui sont pointées du doigt. Pour la première fois, nous avons pu pénétrer dans l'usine qui a préparé les fameuses lasagnes à la viande de cheval. Et nous y avons découvert que nos plats cuisinés sont souvent fabriqués avec des ingrédients bien surprenants. Ici, vous avez des minerais de bœuf, hein, ce sont des petits muscles de bœuf. Si je vous mets un morceau de cheval à côté surgelé, c'est pareil. Exactement. Vous allez comprendre comment pendant des mois, de la viande de cheval a pu être utilisée à la place de viande de bœuf sans que personne ne s'en aperçoive. Et alors les fameuses lasagnes, vous ne saviez pas senti qu'il y avait du cheval? Non. Ça avait le même goût que... Ça avait le même goût que le bœuf. Nous avons aussi remonté toute la filière de la viande jusqu'aux abattoirs roumains. C'est ici qu'a été découpée la viande de cheval qui a fini dans ces plats, pourtant garantie 100% bœuf. Aujourd'hui, il y a une différence entre le prix du bœuf et celui du cheval. Le cheval, ça me coûte entre 20 et 25% moins cher à l'achat, parfois même jusqu'à 30% de moins. Vous allez voir que dans ce pays de l'Est, certaines filières d'approvisionnement sont pour le moins inattendues. J'ai vendu un cheval 130 euros cet automne. Il mordait, il était agressif, je ne voulais pas le garder. Lors de notre enquête, nous avons aussi découvert que pour casser toujours plus les prix, les industriels n'hésitent pas à revisiter les recettes traditionnelles. Des produits de substitution dans les quiches lorraines ou dans la pâte à crêpes. Des ingrédients inattendus dans les steaks hachés. En réalité, moi je sais que quand c'est écrit grillade nature, ça ne correspondra pas purement à de la viande. C'est une préparation à base de 51% de viande hachée avec des protéines végétales. Et dans les enseignes de fast-food, où tout l'enjeu est de pratiquer les prix les plus bas, les normes d'hygiène sont-elles toujours respectées? Nous avons enquêté sur les filières du kebab, depuis les usines de viande en Allemagne jusqu'au restaurant. Vous allez voir que les inspecteurs de la répression des fraudes font parfois des découvertes qui ont de quoi couper l'appétit. Ça par contre, c'est quoi? Vous mettez ça à la poubelle avec un peu d'eau de javel dessus. Plats cuisinés, viande, fast-food, jusqu'où les industriels de l'alimentaire sont-ils prêts à aller pour nous proposer toujours plus de produits à prix discount? Révélation sur ce qu'il y a vraiment dans nos assiettes. Les consommateurs l'ignorent, mais la plupart des plats cuisinés que nous achetons dans nos supermarchés ne sont pas préparés par les grandes marques qui les vendent. Pour fabriquer leurs lasagnes, hachis parmentier, chili con carne ou moussaka, ces marques font appel à des sous-traitants qu'on appelle les transformateurs. Ainsi, les fameuses lasagnes à la viande de cheval qui font scandale aujourd'hui ont été préparées par l'un de ces transformateurs.
des barquettes sur la ligne. L'objectif de Comigel, c'est de trouver des recettes pour produire toujours moins cher. Alors, quel que soit le plat préparé, l'industriel applique toujours la même méthode. Pour les ingrédients de base, il ne se fournit pas forcément auprès de petits producteurs locaux, mais recherche en permanence ce qui se négocie au plus bas dans le monde entier. Ici, nous sommes dans un frigo où on va trouver l'essentiel des matières premières dont on a besoin pour faire le plat cuisiné qui est sur ligne aujourd'hui. Vous avez ici différents ingrédients liquides reçus en conteneur. Du vin rouge. Qui vient d'où ? Qui vient d'Espagne. Et là ? On a de l'huile. Des centaines de litres d'huile. De la sauce tomate par conteneurs entiers. De l'ail en cube, congelé. Des tonnes de haricots rouges. Avec les produits les moins chers du monde entier, ils fabriquent un chili con carne low cost vendu dans la grande distribution à moins de 3 euros. C'est parce qu'ils possèdent le savoir-faire pour fabriquer des plats cuisinés à prix cassé que Findus, mais aussi Picard et les marques de distributeurs Carrefour, Casino ou Monoprix ont tous fait appel à Comigel pour préparer leur hachis parmentier et leur lasagne. Elle devait être pure bœuf, mais on y a retrouvé de la viande de cheval. Vous allez comprendre pourquoi. Le problème lorsqu'on veut fabriquer un plat cuisiné, qu'il s'agisse de chili con carne, de moussaka, de hachis parmentier ou de lasagne, c'est qu'il faut de la viande hachée. Beaucoup de viande hachée. Et c'est justement l'ingrédient qui coûte le plus cher. Alors pour réduire ses coûts de production, l'industriel a un petit secret qui se cache au fond de ses cagettes rouges. Voici la viande qu'il utilise. Pas vraiment du steak de boucherie, mais un mélange de muscles et de gras qui se présente sous la forme de pain congelé d'une dizaine de kilos. On appelle cela du minerai de viande. Ici, vous avez des minerais de bœuf. Hein. Ce sont des petits muscles de bœuf et des chutes de découpe de bœuf. Donc, ils sont congelés chez le fournisseur. On les reçoit à l'état congelé et on va l'utiliser à l'état congelé. Ce minerai congelé ne coûte que 3,50 euros le kilo, environ 5 fois moins cher qu'un beefsteak. Voilà pourquoi les industriels de l'agroalimentaire en raffolent. C'est ce minerai qui est au cœur des soupçons de tromperie sur la marchandise. Car pendant 9 mois, Comigel aurait utilisé du minerai de cheval pour préparer ses lasagnes pourtant garanties pure bœuf. Les responsables de Comigel clament leur innocence et se disent victimes. Selon eux, c'est leur fournisseur qui les aurait escroqués en livrant du minerai de cheval à la place du bœuf. Et selon Jean-Luc Dumont, à l'état congelé, il serait impossible de faire la différence entre les deux. S'il peut y avoir des différences d'odeur entre différentes espèces animales, à l'état surgelé, vous ne le voyez pas. Si je vous mets un morceau de cheval à côté surgelé, c'est pareil. Exactement. Le problème, c'est qu'une fois posé sur le tapis roulant, le minerai est avalé par la machine. Il est broyé mécaniquement et échappe à tout contrôle. Selon Jean-Luc Dumont, impossible alors de faire la différence entre de la viande de bœuf ou de la viande de cheval. Vous avez une viande qui est hachée, donc vous avez une viande de couleur rouge et à ce moment-là, il est impossible pour qui que ce soit de pouvoir identifier l'espèce animale. C'est une viande rouge, c'est tout. Il serait donc impossible de distinguer la viande de bœuf de la viande de cheval. Ce jour-là, qu'est-ce qui peut donc garantir que c'est bien du minerai de bœuf et pas du cheval qui va garnir le chili con carne de Comigel ? Apparemment, rien ni personne. Pas même les goûteurs de l'usine qui suivent l'élaboration de la recette. Car ici, chaque préparation fait l'objet d'un test gustatif. Le travail de ce jeune homme, c'est de goûter les préparations toutes les heures, afin de vérifier qu'elles sont conformes à la recette. Comme le chili con carne aujourd'hui, les lasagnes et la viande de cheval sont passées entre ses papilles pendant des mois. Et visiblement, il n'a rien remarqué. Nos produits sont goûtés avant d'être envoyés en ligne pour être sûr que le goût est conforme. Et alors les fameuses lasagnes, vous ne saviez pas senti qu'il y avait du cheval ? Non. Ça avait le même goût que... Ça avait le même goût que le bœuf. Cuisiné avec les herbes, les aromates, le goût est le même. Ah
faire. Personne ne semble donc pouvoir garantir ce qu'il y a vraiment au fond de nos barquettes. Pas même ceux qui fabriquent les plats que nous mangeons. Vous allez le voir, si une telle situation est possible aujourd'hui, c'est parce que la viande discount utilisée par l'industrie agroalimentaire et notamment par l'entreprise de Jean-Luc Dumont fait l'objet d'une donc dans ce pays d'Europe de l'Est, où la viande est moins chère. Nous avons retrouvé la trace de l'abattoir roumain, au cœur du scandale des lasagnes à la viande de cheval. Il est situé dans une région rurale, à l'extrême nord-est du pays, dans la ville de Botoşani, 115 000 habitants. L'abattoir s'appelle Dolicom. Nous découvrons un atelier de découpe classique, comme on peut en trouver en France. L'activité principale des 300 salariés, c'est de désosser des carcasses de bœuf et de revendre la viande sous toutes ses formes. Les bons morceaux sont débités sous forme de beefsteak, de basse-côte ou de gîte de noix. Dolicom en exporte des centaines de tonnes chaque année vers toute l'Europe et notamment en France. L'abattoir nous fait plutôt bonne impression et nous semble très moderne. D'ailleurs, il fait la fierté de Doina Iliescu. C'est la responsable de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Elle nous apprend que l'atelier de découpe vient d'être entièrement modernisé. Ici, c'est la section pour trancher la viande. On a une rangée pour découper la partie avant du bœuf, puis une autre pour la partie arrière. Tout est rationalisé, ce qui permet de découper les morceaux de viande de manière de plus en plus précise. Cette découpe rationalisée a permis à l'abattoir de développer une autre activité. La fabrication du fameux minerai. Tout commence sur ce tapis roulant. Pour isoler les bons morceaux, le boucher doit sacrifier des centaines de kilos de viande. Ces petites chutes mélangent de muscles, de nerfs et de gras. Ces résidus représentent jusqu'à 15% d'une carcasse. Autrefois jetés à la poubelle, les industriels ont trouvé un moyen de les recycler. Ils sont désormais agglomérés dans ces bacs rouges. Une fois congelés, c'est ce qui formera les blocs de minerai. Vendu entre 3,50 euros et 4 euros le kilo, c'est un business très lucratif pour le patron de l'abattoir. Mais Yulan Kazakut a trouvé un moyen de gagner encore plus d'argent. Il s'est lancé dans la fabrication de minerai à partir d'un autre animal qu'il affiche clairement sur son enseigne. S'il s'est lancé dans le commerce de la viande de cheval, c'est qu'il est encore moins cher à produire que le bœuf. Aujourd'hui, il y a une différence entre le prix du bœuf et celui du cheval. Le cheval, ça me coûte entre 20 et 25% moins cher à l'achat, parfois même jusqu'à 30% de moins. Et vous les achetez où, les chevaux ? On achète des animaux vivants, soit dans un commerce organisé avec des producteurs roumains, soit auprès de producteurs individuels ou dans des fermes. Un business de la viande de cheval rentable, car en Roumanie, la matière première ne manque pas. Dans ce pays, le cheval fait partie du paysage et de la vie de tous les jours. Pour tirer les carrioles, labourer les champs, mais aussi animal de compagnie. Les chevaux se comptent par milliers. Et lorsque certains propriétaires cherchent à se séparer d'un compagnon en fin de course, ils n'hésiteraient pas à le brader aux abattoirs pour arrondir leur fin de mois. C'est ce que nous avons découvert lors de notre enquête.
À quelques kilomètres de Botossani, comme tous les dimanches matins, se tient l'un des nombreux marchés aux chevaux de la région. Ici, plusieurs habitants nous confient vendre régulièrement des chevaux aux abattoirs de la région. C'est le cas de Mircea Arriga, un agriculteur des environs. Vous avez apporté des bêtes à l'abattoir ? Oui, un cheval cet automne. Est-ce qu'il était vieux ? En fait, c'est surtout qu'il ne tirait pas. C'était un cheval qu'on ne pouvait pas utiliser. Il mordait, il était agressif. Alors pourquoi le garder ? Je l'ai vendu pour un prix très faible. Environ 6 millions de lei, ça fait 130 euros. Est-ce que ça vaut le coup de le vendre à l'abattoir ? Non, ça ne vaut pas le coup. Tu élèves l'animal, tu achètes du maïs, des céréales, tu le nourris et tu vends pour un prix dérisoire. Les abattoirs te donnent quelques lei au kilo. Alors qu'eux, ils se font de l'argent. Ils vendent en euros. Pour les paysans, ce petit commerce ne serait pas une bonne affaire. En revanche, il serait très rentable pour les abattoirs. Selon nos calculs, grâce aux chevaux bon marché, Dolicom fabriquerait un minerai de cheval à prix cassé. Ce minerai se négocie en moyenne à 2,20 euros. C'est 40% moins cher que le minerai de bœuf. Alors dans l'affaire des lasagnes, l'abattoir roumain aurait-il cherché à vendre du cheval pour du bœuf afin d'augmenter ses bénéfices ? Doña Ilescu s'en défend. Selon elle, aucune fraude n'a été commise. C'est bien du minerai de cheval qu'on lui avait commandé et il était bien étiqueté comme tel. Car ici, toutes les obligations de traçabilité imposées par l'Union européenne seraient scrupuleusement observées. Et chaque étiquette indiquerait précisément l'origine de la viande. Sur l'étiquette, on indique le nom de morceau de viande, le type d'animal. On a le nom du produit en roumain, ici c'est en allemand, ici en français et même en suédois. Comme vous le voyez, on s'attache à ce que chaque lot de viande soit bien tracé pour éviter les erreurs. Et aussi pour pouvoir prouver que l'on est correct lorsqu'on est accusé à tort, comme dans cette affaire de lasagne à la viande de cheval. Selon les responsables de Dolicom, c'est donc bien un chargement de minerai de cheval étiqueté comme du cheval qui a quitté l'abattoir. Nous voilà donc au cœur de l'affaire. Voilà comment des consommateurs qui voulaient acheter des lasagnes au bœuf se sont retrouvés avec du cheval dans leur assiette. Pour comprendre comment cela a été possible, il faut suivre la route de la viande après sa sortie de Roumanie. Nous savons que le minerai a d'abord transité par les Pays-Bas, dans les entrepôts du trader qui a passé commande à l'abattoir roumain. Ce trader hollandais, Jean Fazen, est soupçonné d'avoir commandé du cheval et de l'avoir revendu comme du bœuf, valant deux fois plus cher. Au cœur du scandale, depuis le début de l'affaire, il se défend. Il n'y a jamais eu ni de fraude, ni de tromperie. Il a toujours été question de viande de cheval, dont le label indiquait clairement la mention. Mais les enquêteurs ont un doute, car ce trader est un personnage trouble. En 2009, il a déjà été condamné avec son associé pour une escroquerie identique. Il avait vendu à plusieurs sociétés françaises des milliers de tonnes de fausses viandes de bœuf halal. En réalité, du cheval importé du Brésil, du Mexique ou du Canada. Alors a-t-il récidivé ? Est-il le seul responsable de la fraude ? Rien ne le prouve pour l'instant. Et la suite de notre enquête va nous révéler des éléments troublants. Après la Roumanie et les Pays-Bas, le minerai est passé entre les mains d'un intermédiaire français, un grossiste qui fait la une des journaux depuis le début de l'affaire. L'importateur de viande en gros, Spanghero, basé dans le sud-ouest de la France, se serait fait abuser, selon lui, par son fournisseur roumain. Désigné comme de possible fraudeur par le gouvernement français, les responsables de Spanghero se défendent. Nous avons commandé de la viande de bœuf. Nous avons reçu, au vu des documents de traçabilité, de la viande de bœuf
que nous avons réexpédié. Mais les explications d'un responsable de Spanghero, joint par téléphone, vont se révéler plus confuses. Allô ? Enregistré à son insu, il va nous livrer des informations étonnantes. Spanghero avait commandé de la viande de cheval ou pas ? Non. Spanghero avait commandé de la viande de bœuf, réputée être de bœuf, en tout cas de bœuf. Elle a reçu de la viande qu'elle croyait être la viande de bœuf. Et sur les étiquettes, sur l'étiquetage, il y avait écrit viande BF, origine Roumanie. Sauf que il s'est avéré que c'était de la viande de cheval. Spanghero aurait donc reçu du minerai de cheval, étiqueté viande de bœuf. Mais il faut savoir que chaque livraison est accompagnée d'une facture. Et lorsque la viande est importée d'un pays étranger, cette facture doit comporter le code douanier de la viande. Un code à 8 chiffres qui commence par 0202 pour le bœuf et par 0205 pour le cheval. Et visiblement, la facture reçue par Spanghero aurait présenté une petite anomalie que le responsable nous confie au téléphone. Sur les factures figurait une suite de 8 chiffres qui était la nomenclature de la viande de cheval. Donc Spanghero estime qu'elle a été trompée. Spanghero aurait donc reçu d'un côté du minerai étiqueté viande de bœuf et de l'autre une facture avec un code douanier à 8 chiffres correspondant à la viande de cheval. Deux informations contradictoires. Spanghero reconnaît avoir fait preuve de négligence en ne vérifiant pas ce code douanier avant de réexpédier la cargaison vers son client luxembourgeois. Une simple négligence, certains en doutent. Et en premier lieu, les responsables de Comigel. Après un long voyage à travers l'Europe, le minerai est finalement arrivé dans l'usine de fabrication de plats préparés, au Luxembourg. Le responsable de la qualité, Jean-Luc Dumont, nous affirme avoir reçu près de 550 tonnes de viande au total, conditionnées sur des palettes comme celle-ci, avec une étiquette indiquant bien qu'il s'agissait de viande de bœuf. Donc ça, c'est la palette telle qu'elle nous est livrée. Donc sur cette étiquette, vous avez ici le code article. Donc ce code article correspond à une matière première de viande via bœuf, donc viande de bœuf. Et si vous vous trouvez avec une palette de cheval, que vous la remplacez par une étiquette viande de bœuf, rien ne peut éveiller les soupçons là-dessus. Le produit, il est surgelé, le produit, il a la même couleur, donc voilà. Selon lui, trafiquer les étiquettes ne prendrait que quelques secondes. Rien n'aurait pu éveiller ses soupçons, et pas même la facture correspondante à la livraison. Car selon lui, le code douanier aurait bien indiqué qu'il s'agissait de bœuf. Pour le prouver, il nous propose de quitter notre tenue d'atelier et de le suivre dans son bureau. Pour la première fois, il va nous dévoiler une information capitale, les factures qu'il aurait reçues de Spanghero. Les originaux ont été saisis par les enquêteurs de la répression des fraudes. Voilà donc ce qu'il prétend être la photocopie d'une facture du 31 octobre 2012. Donc voici ici une facture correspondant à une livraison de viande de bœuf de chez du fournisseur Spanghero, avec ainsi ici l'intitulé du produit, donc avant de bœuf désossé, code douanier correspondant bien à de la viande de bœuf, la quantité livrée, son prix qui est le prix juste de la viande de bœuf, dans ce cas-ci à 3,75 €. Le code douanier commence bien par 0202, celui de la viande de bœuf. Alors que Spanghero disait avoir reçu une facture avec un code douanier correspondant à celui du cheval. Le grossiste français a-t-il modifié le code douanier avant d'éditer ses factures pour Comigel? C'est en tout cas la conviction de Jean-Luc Dumont et la raison lui paraît évidente. Le cours du bœuf, il est plus ou moins stable, même s'il est plutôt à la hausse. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que le cours du cheval, les derniers mois, était beaucoup plus bas. Donc quelqu'un qui a envie de tricher et de se faire de l'argent, c'est la meilleure façon pour lui de faire. C'est de la triche, une escroquerie. Donc Comigel en est la première victime aujourd'hui. Spanghero a été rayé de la liste de nos fournisseurs du jour au lendemain. Et ne le reviendra pas. Pour Comigel, le préjudice serait énorme. Des chaînes de fabrication fermées, des quais de chargement vides. La plupart des clients, comme Findus, ont annulé leurs commandes. Pour les rassurer et pour rassurer les consommateurs,
comme IGL a annoncé qu'il allait mettre en place des tests ADN sur chaque lot reçu afin de garantir l'espèce de viande utilisée. La marque Findus, qui a commercialisé les lasagnes, estime avoir été trompée par ses sous-traitants et a porté plainte contre X. Depuis, une enquête à l'échelle européenne est en cours. Elle devra établir la responsabilité de chacun, transformateur, grossiste, trader ou abattoir. Mais quelles qu'en soient les conclusions, cette affaire nous apprend qu'il suffirait simplement de modifier quelques chiffres ou de remplacer quelques étiquettes pour tromper des millions de consommateurs. Et le résultat, c'est ça. Burk, c'est le mot du jour. Le débat est relancé sur la traçabilité des produits alimentaires. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Il y a comme un doute depuis que l'on a appris que du cheval a remplacé du bœuf dans certains plats Findus. Aucun risque pour la santé, l'enjeu est moral, culturel, à l'échelle européenne. Avec la fraude aux lasagnes à la viande de cheval, le débat sur la malbouffe est revenu à la une de l'actualité. Et les consommateurs affichent plus que jamais leur méfiance envers les industriels. Ont-ils raison? Pour le savoir, nous nous sommes intéressés à un autre plat qui est consommé chaque jour par des millions d'entre nous, le steak haché. C'est l'un des aliments préférés des Français. Nous en mangeons près de 250 000 tonnes chaque année, une quarantaine par personne en moyenne. Il est délicieux. À plus de 15 euros le kilo chez un boucher et jusqu'à 3 fois moins cher en grande surface, à 5 euros le kilo. Pourquoi un tel écart de prix ? A priori, là encore, les emballages nous promettent des aliments pur bœuf. Mais est-ce vraiment le cas? D'où vient la viande qui sert à les fabriquer? Quels sont les secrets des industriels pour casser les prix? Vous allez voir que là encore, notre enquête va nous livrer bien des surprises. Lorsqu'on veut acheter un bon steak haché, comme cette mère de famille, rien de tel que de pousser la porte d'une boucherie traditionnelle. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris, chez Hugo Desnoyers. Cet artisan boucher, réputé, fournit les cuisines de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Alors moi, je voudrais 5 bons steaks hachés, beaux pour des bons mangeurs. L'artisan boucher va nous expliquer la recette d'un steak haché pur bœuf, à l'ancienne. Pour cela, il commence par choisir un bon morceau de beefsteak, qui à première vue semble bien tendre. Uniquement du muscle, soigneusement dégraissé. Pur bœuf, ouais. Beefsteak haché, magnifique, bien saignant. Comme tous les bons bouchers, il ne sélectionne que les meilleurs morceaux, à l'arrière de l'animal, dans les parties fermes de la cuisse. Et cela, dans une race de vaches 100% française, réputée pour sa qualité. Les morceaux de steak haché chez nous, nous on achète des bêtes entières, généralement de la limousine, à peu près à 80% de notre activité c'est de la pure limousine que j'achète dans la Vienne ou l'Aveyron. Ça va vous faire de la viande qui est très goûteuse. Sa carcasse de limousine, il l'a achetée aux alentours de 8 euros le kilo. Résultat, un steak 100% naturel. Mais ça, vous pouvez y aller en toute confiance, et d'une, et puis vous avez un goût qui est juste exceptionnel. Rien n'est ajouté, ni eau, ni sel, ni matière grasse. Mes enfants sont comme des fous quand je leur dis que je suis venu chercher de la viande ici, donc voilà. Bonjour, ça va et vous? Le steak haché est nature, mais l'addition un peu salée. Vous avez payé combien les steaks hachés la dernière fois? Je les ai payés combien? 18,50 euros. À 18,50 euros le kilo, c'est un plaisir inabordable pour beaucoup de Français. Oui, merci, à bientôt, au revoir. Alors, en grande majorité, ils préfèrent acheter leur steak haché en supermarché. Au rayon surgelé de nos grandes surfaces, on trouve des steaks hachés jusqu'à 3 fois moins chers. Façon bouchère, à 8 euros le kilo. Ou en lot familial, à 6 euros le kilo. Et même parfois, 4 euros le kilo seulement. Malgré leur appellation, sont-ils préparés comme chez le boucher? Comme promis par l'étiquette, sont-ils vraiment 100% pur bœuf? Comment ces steaks hachés low cost sont-ils réellement fabriqués par les industriels?
Pour le savoir, direction le Lion d'Angers, un petit village de Maine-et-Loire. C'est ici qu'est installé le numéro 2 français de la viande, Elivia. C'est Claude Guillaumeau, le responsable hygiène et qualité de l'usine, qui nous fait le tour du propriétaire. Sa spécialité, c'est le steak haché surgelé. Cet énorme congélateur en débite 6 à la seconde, plus d'une tonne par jour. Les steaks hachés, là, vont où ? Nos différents clients sont la grande distribution, ce sont aussi certaines chaînes de fast-food et également la collectivité. Avant de finir dans les cantines scolaires, les restaurants d'entreprise, les fast-food ou dans les bacs des grandes surfaces, tout commence dans cette énorme chambre froide. Des centaines de carcasses, et pas toujours de la race limousine ou charolaise que bichonne le boucher de quartier. Ce sont pour moitié des vaches de réforme, des laitières qui sont bradées aux abattoirs lorsqu'elles ne donnent plus assez de lait. On utilise des vaches du troupeau, ce qu'on appelle le troupeau laitier. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont là pour faire du lait, mais à la fin, on en fait de la viande. Alors, c'est vrai que ce sont des animaux qui sont destinés à faire également la même destination, mais c'est des animaux qui ont une conformation plus petite. À gauche, une vache laitière. À droite, une vache à viande. La différence de muscles saute aux yeux. Mais il y a aussi une différence de prix. Une carcasse de vache de réforme se négocie à environ 3 euros le kilo. C'est presque 3 fois moins cher qu'une race à viande. Et pour faire baisser ses coûts de production, l'industriel n'utilise pas les morceaux les plus nobles à l'arrière de l'animal, mais les morceaux de l'avant, moins savoureux et moins tendres. Ils étaient cantonnés autrefois au pot-au-feu. Les viandes de l'avant sont un peu plus fermes, donc elles sont plus appropriées à la transformation en steak haché. Ça serait un peu dommage de transformer du filet en steak haché, vous en convenez. Et c'est plus cher. Et ça serait obligatoirement plus cher, tout à fait. Utiliser les bas morceaux permet à l'industriel de rentabiliser ses carcasses à 100%. Mais il y a aussi une autre astuce pour assurer de gros rendements. Alors que le boucher n'utilise qu'un seul morceau pour fabriquer à la pièce, l'industriel, lui, mélange toutes les carcasses pour fabriquer à la tonne. Une opération entièrement mécanisée, réalisée par toute une série de hachoirs géants et de broyeurs, comme celui-ci. Un lot de viande est composé d'environ une tonne de viande. C'est l'équivalent d'une centaine d'animaux. Une centaine de vaches dans un mixeur géant. Mais ce n'est pas la seule recette de l'industriel pour casser les prix. Après hachage, on obtient un mélange de viande qui fait apparaître de petits points blancs. C'est du gras. De petites taches qui apparaissent clairement sur les steaks discount que nous achetons. Car l'industriel rajoute de la graisse de bœuf. Ça ne coûte presque rien et ça lui permet de faire baisser encore son prix de revient. Pour que les industriels ne soient pas tentés de rajouter toujours plus de gras, la loi française a fixé des limites. La teneur en matière grasse ne doit pas dépasser 20% du poids total d'un steak haché. Ce jour-là, c'est du steak à 15% de matière grasse qui est en production. Je regarde si le taux de matière grasse est conforme au produit fini. Donc 15%, nous sommes à 14,7, donc c'est conforme. Et le taux de matière grasse, en fait, correspond à la qualité gustative que le consommateur attend et au prix également. C'est-à-dire que les viandes qui sont avec un taux de matière grasse plus élevé sont effectivement moins chères que des viandes qualifiées de maigres. Selon nos informations, en bout de chaîne, un steak haché avec 20% de matière grasse coûte deux fois moins cher à produire qu'un steak haché à 5% de matière grasse. Des vaches de réforme, des bas morceaux, des matières grasses, voici donc le secret des fabricants de steak haché pour produire toujours moins cher. Mais c'est steak haché premier prix que nous retrouvons dans les rayons des grandes surfaces aux alentours de 5 euros le kilo. Sont-ils si différents au goût qu'un steak préparé en boucherie? Nous avons demandé à la mère de famille qui a acheté le steak dans la boucherie du 14e arrondissement de Paris d'organiser un petit test à l'aveugle avec toute sa famille. Oh, coucou, monsieur.
Ça va, mon chou ? Pour cela, nous avons acheté différentes marques. Là, on est sur du 20% de matière grasse. Entre le steak premier prix surgelé et celui 100% nature préparé chez le boucher, a priori, il n'y aura pas photo. C'est ce que va d'ailleurs confirmer la première épreuve, celle de la cuisson. Premier sur le grill, le steak acheté chez le boucher est 18,50€ le kilo. Il recrache un léger jus de viande, mais pas de gras. En fin de cuisson, la poêle est sèche. Deuxième test, avec un steak haché industriel à 5% de matière grasse. Là, il y a un peu de gras, mais à la fin, la poêle est sèche. Dernier test, avec le steak haché industriel le moins cher, à 20% de matière grasse. Cette fois, il rend bien plus de graisse. Une bonne vaisselle en perspective. Mais dans l'assiette, les enfants vont-ils vraiment faire la différence? En dégustant le steak du boucher, c'est surtout le papa qui se montre enthousiaste. Ça ressemble à quelque chose de connu, déjà. Hein Tiens, monsieur. Le chien se réveille. Au niveau du goût, je crois que... Ouais. On sent la viande. On sent les morceaux. C'est pas de la purée. Alors, numéro 2. Un deuxième steak surgelé à 5% de matière grasse passe le test, haut la main, avec les enfants. Il est délicieux. Et surprise, le steak le moins cher à 20% de matière grasse est lui aussi plutôt apprécié des enfants. Lui, il a un peu une sale tête, mais sinon, il est bon au goût. Le père de famille, lui, est nettement plus sévère. C'est un peu de la purée de viande. Bien froid. La purée de viande. Ouais, c'est... On sent rien dedans. Le papa n'est pas convaincu, mais les papilles des enfants ont, au final, relevé assez peu de différences. Alors pourquoi payer un steak haut de gamme 5 fois plus cher en boucherie? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus de 3 quarts des steaks hachés sont vendus en supermarché. Et ça, les industriels le savent bien. Alors ils ont trouvé une astuce pour écouler toujours plus de viande hachée et encore moins cher. Retour au supermarché en compagnie de Jean-Michel Cohen, un nutritionniste de renommée internationale. Direction le rayon surgelé. Noyé au milieu des steaks hachés, une boîte, très légèrement différente, attire aussitôt son attention. Ici, je suis dans un rayon où j'ai deux choses. Je suis dans le rayon de la viande congelée, hachée. Et j'ai deux produits, je ne sais pas si vous regardez, tout le monde fait ça. Hein. Voilà, les deux prix, si je cache l'étiquette ici, vous voyez bien que les prix, les boîtes sont quasiment identiques. En fait, dans un, j'ai écrit steak haché, c'est une appellation connue, ça signifie donc que j'ai de la viande. Et dans le deuxième, j'ai écrit dit grillade nature. La confusion est assez facile à faire. Il y a la même vision à peu près d'un aliment à cuisiner. Mais en réalité, moi, je sais que quand c'est écrit grillade nature, ça ne correspondra pas purement à de la viande. Que c'est une préparation à base de 51% de viande hachée avec des protéines végétales. Au dos du paquet, nous découvrons en effet une liste d'ingrédients plutôt étonnante. À peine la moitié de viande de bœuf dans la préparation, dont 15% de graisse. Le reste, ce sont surtout des protéines de soja réhydratées. Selon la loi, ça ne peut pas s'appeler steak haché, mais ça y ressemble à s'y méprendre. Et comme c'est moins cher, de nombreux consommateurs se laissent séduire. Le prix avec les protéines végétales est à 4,32. Donc on va se dire qu'on fait une bonne affaire à prendre à 4,32. Non, pas vraiment. On a fait une affaire différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté purement de la viande, on a acheté la moitié de viande. Est-ce qu'il y a un impact sur la santé réellement? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ah bah, évidemment, il y a une différence, puisque la protéine de viande est ce qu'on appelle une protéine complète. Donc elle contient tout ce qu'il faut pour que ça soit une protéine de bonne qualité. La protéine de soja, il va manquer des petites choses à l'intérieur. Donc je ne vais pas consommer le même niveau de protéines. Je ne dis pas que ça rendra malade, mais en tout cas, ce n'est pas pareil de manger soja plus viande ou viande tout court. Je n'ai pas le même niveau de protéines.
Et j'aurais pas non plus la même quantité de fer à l'intérieur. Or le fer, c'est très important pour oxygéner nos tissus. Des vertus nutritionnelles moindres qu'un steak haché. Mais comment cette grillade se comporte-t-elle dans la poêle? Malgré les colorants, elle apparaît rose pâle, bien loin du rouge d'un bon steak haché. Et après quelques minutes de cuisson, elle a rendu beaucoup d'eau et de graisse. Des steaks hachés au soja. Des plats préparés dont on ne connaît pas toujours la recette exacte. Des lasagnes à la viande de cheval. Il semble que certains industriels soient prêts à tout pour produire toujours moins cher, quitte parfois à nous tromper sur la composition des plats que nous consommons. Mais le créneau sur lequel la bataille des prix est la plus intense, c'est celui de la pause déjeuner. Les Français consacrent de moins en moins de temps à leur repas de midi et de moins en moins d'argent. 8 euros en moyenne. Dans la course au rapide et pas cher, il y a un nouveau sandwich que les Français s'arrachent aujourd'hui. Le kebab. Le kebab, à l'origine, c'est une recette traditionnelle turque. Du pain, une sauce blanche, de la salade, des tomates, des oignons et de la viande d'agneau grillée à la broche. Des ingrédients simples et peu coûteux. Un sandwich est vendu en moyenne 5 euros. Facile à emporter et à manger dans la rue, le kebab connaît une croissance fulgurante, plus 12% en un an. C'est bien plus que le hamburger et que le sandwich classique. Des restaurants de kebab fleurissent dans toutes les villes. Il y en aurait plus de 10 000 aujourd'hui en France et ils sont pris d'assaut à la pause déjeuner. C'est rapide et que c'est bon et qu'on a 3 quarts d'heure pour manger entre les cours et voilà. Je travaille dans le coin et on est obligé de faire vite donc on n'a pas trop le choix. Oh bah c'est rapide, c'est pas trop cher. Des fois, moi j'ai kebab, c'est moins cher que d'aller dans un restaurant. Il y a toujours des jours où on a envie de s'empiffrer un peu, de se lâcher. Bon, c'est parti, bon, ma kebab. Alors qui profite de ce marché en plein boom? Comment sont fabriqués les kebabs? Et à ce prix-là, a-t-on toujours la garantie de manger sainement? Quartier du Châtelet, dans un restaurant du centre de la capitale. Mario, 23 ans, s'apprête à faire ses premiers pas dans l'univers du kebab. Il ne s'y connaît pas du tout en restauration. Il y a encore quelques semaines, il était agent immobilier. Mais dans quelques minutes, il sera opérationnel. J'ai mon pain qui est ouvert, ok? Je prends ma sauce blanche, toujours un trait. Étape 2, salade. La viande, toujours au-dessus, je la pose. J'enfonce pas, je la pose. Objectif de Mario, apprendre à fabriquer un kebab en moins de 20 secondes. Et pour cela, tout a été calculé au millimètre. Voilà, le sandwich, il est fait. La cuisine est faite de façon à aller très vite. Il faut que le débit entre midi et 14h aille très vite. Et si le formateur de Mario a l'air si sûr de lui, c'est que ce n'est pas un formateur comme les autres. Hakim Benotman, c'est le PDG. Et ce kebab, c'est l'un des 58 restaurants de la chaîne de fast-food qu'il a lancé il y a 10 ans. Hakim, c'est donc le roi du kebab, même s'il a tendance à jouer les modestes. Au début, on ne cherche pas la rentabilité. Moi, quand j'ai créé Nabab en 2003, je n'ai jamais cherché la rentabilité. J'ai toujours pensé chaîne, je voulais apporter quelque chose de nouveau. Après, si on fait bien son travail, un jour ou l'autre, on gagne. C'est comme un joueur de foot. S'il joue bien, un jour ou l'autre, ça sera le joueur le mieux payé. Si c'est sur place, en portée. Et si Hakim possède aujourd'hui plus de 36 points de vente en France, c'est qu'il a fait subir au kebab une petite révolution. Car jusque-là, le kebab n'avait pas toujours très bonne réputation. Il faut dire que dans les médias, lorsqu'on parle de kebab, c'est souvent pour de mauvaises raisons. Infraction aux règles de sécurité alimentaire, normes d'hygiène non respectées. Chaque année, des dizaines d'inspections se soldent par des fermetures d'établissements. Récemment, nouveau scandale, un kebab du sud de la France aurait utilisé de la pâtée pour chien dans certaines préparations de son restaurant. Alors forcément, certains consommateurs s'interrogent. C'est pas rassurant. Moi, personnellement, je suis pas du tout cliente. J'aime pas ça. C'est très gras. Ça m'inspire pas. Juste à voir seulement, ça donne pas envie de rentrer. Pour la santé, c'est pas très bon. Mais pourquoi? Je sais pas, je trouve que la viande n'est certainement pas de très bonne qualité. Souvent, les produits sont périmés ou ils sont pas mis au frais. En termes d'hygiène, c'est pas top.
pour se débarrasser de cette image peu flatteuse et attirer les consommateurs dans ses kebabs, Hakim Ben Othman a décidé de tout revoir, à commencer par les lieux de vente. Deux assiettes kebab sur place. La première, la sauce, s'il vous plaît. Un restaurant spacieux, des couleurs vives. Derrière un grand comptoir, des employés en uniforme. On est servi sur des plateaux repas. Sur les murs, des menus géants qui proposent cornets de frites, menu maxi, classique ou cheese. Et à l'étage, une grande salle qui accueille les clients. Bref, Hakim ne s'en cache pas, il a tout copié sur le géant américain des fast-foods. McDonald's, c'est le modèle de tout le monde. Toutes les chaînes de restauration rapide qu'il y a à travers le monde ont copié un jour ou l'autre sur McDonald's. Mais nous aussi, on fait nos recherches, nous aussi, on innove et on avance. Après, est-ce que c'est un modèle? Si un jour, j'arrive à faire comme McDo 800 millions d'euros en France, au niveau de McDo France, plus les franchisés, ils atteignent presque 4-5 milliards en chiffre d'affaires. Bien sûr, c'est un modèle, c'est énorme. En imitant les leaders du fast-food, Hakim réussit à attirer une nouvelle clientèle jusqu'ici peu habituée au kebab. Une clientèle de bureau et de cadres supérieurs. Maintenant, on va se régaler. Comme ces deux habitués. C'est devenu le rendez-vous kebab, en fait. De la semaine. Voilà. Même deux fois par semaine. Donc, moi, je suis venu une fois et j'ai embarqué tous mes collègues ici en survendant comme si j'étais un actionnaire principal. Jusqu'ici, plutôt réfractaire au kebab, les femmes s'y mettent à leur tour. Qu'est-ce qui vous attire dans ce kebab-là, ici? Il est bon, ça fait assez... ça fait kebab, mais en étant plus dans le genre McDo, donc c'est propre, c'est pas... On a plus confiance sur la qualité de la viande que dans certains kebabs, quoi. Le kebab, un produit rapide, pas cher, et qui peut rapporter gros. Hakim, le patron, l'a bien compris. Comme les autres enseignes de fast-food, il calcule tout au centime près. Et même avec un kebab à 4,50€, son business est très rentable. Le prix de revient, c'est quoi? On a une broche, d'accord? Dans un kebab, il y a à peu près 100 grammes. Et c'est la partie la plus chère, si vous voulez, du sandwich. C'est la viande. Et après, donc, ça revient à 1,10€ de viande. Ensuite, il y a le pain, qui coûte à peu près 25 centimes. Et il y a la salade, les sauces. Donc, le tout revient à peu près à 1,30€. 1,30€ le kebab, qui sera revendu aux clients 4,50€. Enlever les charges, les salaires et les loyers, cela resterait une bonne affaire pour Hakim. Alors pour continuer à attirer une clientèle toujours plus large, l'entrepreneur n'a pas hésité à transformer la recette d'origine. Il propose de remplacer la pita, le pain traditionnel du kebab, par un naan, un pain indien au fromage. Il a même investi dans ses fours spéciaux, exprès pour ça. L'idée que j'ai eue, c'est bon, il y a 10 ans, je sortais d'un restaurant indien avec ma petite copine, simplement, et moi j'adorais le pain indien. Et en fait, j'ai dit, tiens, je vais faire ça dans le kebab. Standardisé, vendu dans des boutiques qui ont adopté tous les codes des grandes enseignes de fast-food, les kebabs de Hakim sont en train de conquérir la planète. Il a déjà ouvert 34 restaurants en métropole, mais il ne s'est pas arrêté là. Son enseigne possède 24 autres boutiques dans le reste du monde, à Mayotte, à La Réunion, à la Guadeloupe, mais aussi à l'étranger, au Maroc, en Australie, à Montréal, à Londres ou Miami. Hakim est toujours entre deux avions et sa voiture est devenue son bureau. Est-ce qu'on peut faire Lille lundi? Ouais, mardi, Metz, la banque, je mette en place tous les dossiers bancaires de Metz avant qu'on décolle pour Rio. C'est vrai que le marché international est très important pour nous. Nous, de toute façon, à terme, on veut en faire sur la France 300 à peu près, mais on vise 700-800 points de vente à l'international. 800 points de vente dans le monde. Hakim vise aujourd'hui très gros, mais il n'a pas toujours roulé en grosse berline avec chauffeur. Issu d'une famille modeste, il a commencé au bas de l'échelle comme simple vendeur de kebab dans un snack à Tours, au début des années 2000. À 19 ans, il décide de se mettre à son compte. Il emprunte 10 000 euros à la banque et ouvre son premier restaurant. C'est pas tout le monde qui vit cette vie-là, mais je me suis donné les moyens de réussir. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. J'ai travaillé de 19 ans jusqu'à 26 ans, 20 heures par jour. J'ai sacrifié une partie de ma jeunesse pour réussir. Je veux dire, il n'y a pas de secret aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait de secret. N'importe qui va travailler 4, 5 fois plus que d'autres va réussir à un moment ou à un autre. Et l'idée qui va booster ses affaires, c'est d'appliquer au kebab ce que les géants du fast-food américain ont fait avec le hamburger. Des restaurants propres et modernes et des menus standardisés.
Résultat, des dizaines d'entrepreneurs indépendants lui ont acheté son concept et le droit d'utiliser sa marque. Chaque franchisé reverse à Kim Bennottman 5% de son chiffre d'affaires. C'est ainsi que le jeune Tourangeau est devenu le roi du kebab. Il a ainsi pu se permettre de créer, avec des associés, la première usine de kebab en France. Nous sommes en Basse-Normandie, à Alençon, à un peu plus de 150 km à l'ouest de Paris. Cette usine flambant neuve, c'est le résultat d'un partenariat entre Hakim et un industriel. Bonjour, Ramin, ça va ? Ici, les règles d'hygiène sont strictes. Blouse, charlotte et chaussons obligatoires. 90% des kebabs français se fournissent en viande à l'étranger. Mais Hakim, en produisant en France, cherche à maîtriser la filière pour éviter au maximum les risques sanitaires. Pour pas qu'il nous arrive ce qui arrive à pas mal de grossistes en ce moment. On veut pas qu'il y ait autant d'intermédiaires. Vous voyez, en ce moment, le problème, c'est parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Et à la fin de la filiale, on sait plus d'où ça vient. Là, c'est origine France, c'est contrôlé, 2-3 intermédiaires, donc c'est carré. C'est ce qui nous rassure, nous, de travailler avec une usine qui est française et qui est locale à proximité de notre système de distribution. Mais si les normes d'hygiène sont strictes, la priorité reste de produire une viande à bas prix. Ici, comme dans la plupart des kebabs, il y a longtemps que l'on a abandonné la recette traditionnelle, à base de viande d'agneau. On n'utilise que de la volaille, poulet et dinde. C'est moitié moins cher. Une fois désossée, la viande est mélangée avec un savant cocktail de curry, de yaourt et de plusieurs épices. Viande kebab avec les épices. Mais là, impossible d'en savoir davantage, Hakim préfère ne pas divulguer sa recette. On a une recette spécifique, on a des épices spécifiques. Même le patron de l'usine, il connaît pas. C'est fait par les concept de nabab va arriver dans des sachets, dans des sachets déjà mélangés. Et nous, on va simplement appliquer la dose qu'il faut mettre pour le nombre de kilos. C'est tout, on n'en sait pas plus. C'est encore plus secret que Coca-Cola, c'est chaud pour moi. C'est chaud, on ne veut pas. Mais attends, sinon après, on coule la boîte. Non, c'est la recette. Même mes associés, mes collaborateurs, ils connaissent pas ma recette. Voilà. Dernière étape, les morceaux de viande sont enfilés sur la broche. C'est une broche qui va lui revenir à peu près à 220 euros. C'est une broche qui revient à 220 euros et qui permet de faire à peu près 1000 euros de chiffre d'affaires. D'accord ? Une usine qui produit 20 tonnes de viande par semaine en respectant toutes les normes d'hygiène. C'est l'assurance pour Hakim d'avoir un produit sain. Mais cette usine reste une exception. Car la grande majorité des broches de viande de kebab vendues en France vient de beaucoup plus loin. Et là, les conditions de production ne sont pas toujours aussi propres. Direction l'Allemagne. On ne le sait pas toujours, mais c'est dans ce pays que le kebab est né, il y a une quarantaine d'années, au sein de la communauté turque. Et c'est cette communauté qui, aujourd'hui encore, contrôle le business de la viande. Des centaines d'usines allemandes fournissent toute l'Europe. Plus de 3/4 des kebabs français viennent d'ici. Malgré nos demandes, aucun industriel ne nous a autorisé à filmer une de ces usines. Bonjour. Alors nous avons décidé de filmer en caméra cachée. Dans cette usine près de Sarrebruck, nous nous présentons comme des restaurateurs français à la recherche d'un fournisseur. Mais malgré ce prétexte, on nous refuse l'entrée. Non, no chef, no kebab. Nous essuierons le même refus dans plusieurs autres usines. Mais nous allons finir par avoir plus de chance. Nous sommes dans la banlieue de Berlin, la capitale. Dans cette usine de viande de kebab, le patron a accepté de nous accueillir et de nous faire visiter ses ateliers. Première surprise, nous entrons sans blouse, ni charlotte sur la tête, ni chaussons aux pieds. En principe, cela devrait être obligatoire. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Cet employé est en train de trier des morceaux de veau et l'homme ne porte pas de gants. Il manipule les morceaux de viande à main nue. Et impossible de savoir s'il s'est lavé les mains. Une procédure pourtant obligatoire selon les normes européennes. Un peu plus loin, un employé est en train de monter une broche de kebab avec des morceaux de veau. Lui non plus ne porte pas de gants.
Si les services d'hygiène français pénétraient ici, ils pourraient fermer l'usine sur le champ. Mais le directeur n'y prête aucune attention, comme si c'était une habitude de travail. Ça, c'est le kebab. Le vrai kebab. Là, c'est du veau. Il n'y a que du veau. La visite se poursuit. Le patron tient à nous montrer ses machines pour hacher la viande. Elles ont servi la veille, mais elles n'ont pas été nettoyées. Des morceaux de viande bien visibles sont coincés dans le mécanisme. Un véritable nid à bactéries. À quelques mètres de là, des bacs où est stockée la viande avant d'être montée en broche. Eux non plus n'ont pas été lavés après avoir été vidés. Là encore, de quoi entretenir un vrai bouillon de culture bactériologique. Pourtant, cette usine livre bien des clients dans toute l'Europe. Oui, aujourd'hui. Et ça sera livré demain aux clients. De Hollande. De Hollande et d'Allemagne. Direction maintenant le bureau du directeur. Nous entrons en négociation et l'homme annonce son prix de vente. Moi, la viande, je l'achète à 2,30€. Mais je ne peux pas te la vendre à moins de 3,30€. Parce qu'il y a du travail pour la préparer. Il y a les salaires, il y a le transport. Et ça ne peut pas être moins cher ? Non. 3,30€, en réalité, c'est extrêmement bon marché. 40% moins cher que dans l'usine française que nous avions visitée. Reste un détail. Étant donné les conditions d'hygiène que nous avons constatées, peu de chances que l'usine possède l'agrément nécessaire pour importer la viande en France. Mais là, nouvelle surprise, cet agrément, l'usine l'a bel et bien reçu. Tout le monde doit avoir cette autorisation. Cette autorisation est un agrément européen. Sans cela, nous n'avons pas le droit de produire. Sans ce numéro, nous ne pouvons pas travailler. Comment cette usine, qui ne semble pas très à cheval sur les normes d'hygiène, a-t-elle obtenu un agrément européen ? Comment les autorités de contrôle allemandes ont-elles pu le lui accorder ? Et cette viande risque-t-elle d'arriver dans nos assiettes en France ? Lorsqu'il s'agit de contrôler l'hygiène des filières alimentaires, le premier problème, c'est le manque de moyens. Denis Kuhlmann et Julien Malraison sont inspecteurs auprès de la répression des fraudes. Dans le service, ils sont moins de 10 pour contrôler tout ce que le département de la Moselle compte de commerces de bouche, d'usines alimentaires et de restaurants de toutes sortes. Au total, plus de 4000 lieux qu'ils n'ont évidemment pas le temps de contrôler aussi souvent qu'il le faudrait. Aujourd'hui, ils vont contrôler des kebabs. Il y en a 114 dans leur département. Du coup, ils n'avaient pas mis les pieds dans certains d'entre eux depuis plus de 6 ans. Premier contrôle et première découverte. Dans ce congélateur, une viande attire l'attention des inspecteurs. Ça par contre, c'est quoi ? C'est conservé comme ça ? Ça a été fait quand je décant Vous voyez, la couleur, ça commence déjà presque à vernir, vous voyez, c'est... Il y a un mois, peut-être, mais on les congèle, quoi. On les fait nous-mêmes et puis après, on les ouvre au micro-ondes quand le client est demande. À quelle viande vous faites ça, alors ? Du bœuf, dont la couleur n'est pas très rassurante, comme on peut le voir sur ces photos prises par les inspecteurs. Ça, il faut jeter, ça c'est corrompu. Hein. Attendez, je vais prendre trois photos parce que ça c'est plus commercialisable en l'état. Donc là, on voit qu'il y a clairement une méconnaissance de la réglementation. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait, du danger qu'il peut faire courir au consommateur. Le danger, c'est une intoxication alimentaire. D'après la loi, le restaurateur doit donc détruire immédiatement le produit suspect. Oui, il faut les jeter. Parce que ça, c'est du danger corrompu, ça. Mettez ça à la poubelle avec un peu d'eau de javel dessus, si vous voulez. Lorsque l'infraction est flagrante, les inspecteurs de la répression des fraudes imposent la destruction immédiate de la viande périmée. Ils vont également dresser un procès-verbal. En cas de poursuite, le restaurateur risque jusqu'à 7 500€ d'amende. En revanche, Denis et Julien n'ont pas forcément les moyens de vérifier les conditions de fabrication de la viande avant son arrivée dans le restaurant, surtout si elle vient de l'étranger. L'inspection se poursuit dans un deuxième kebab.
On va commencer par vérifier l'origine des produits. Donc pour que, vérifier que l'ensemble des produits, que ce soit les kebabs, que ce soit la viande, que ce soit les éventuels, tout ce qui est merguez, tout ce qui est vendu, proviennent bien d'établissements qui sont agréés pour la mise sur le marché. Comme 90% des kebabs français, ce restaurateur se fournit en viande auprès d'usines situées en Allemagne. Ici, Denis découvre des broches de kebab congelées. Merci, s'il vous plaît. Sa mission, vérifier qu'elles portent bien leur numéro d'agrément. Donc vous voyez, le kebab provient bien d'un établissement autorisé, agréé, avec une marque de salubrité. Donc DE, c'est le numéro qui dit que c'est le pays, c'est l'Allemagne, tout simplement, Deutschland, et le numéro d'agrément qui est donné par le service officiel allemand, tout simplement. Mais ce numéro d'agrément est-il vraiment une garantie de qualité sanitaire? Car souvenez-vous, le directeur de l'usine allemande que nous avons visité, lui aussi disposait d'un numéro d'agrément attribué par les services officiels allemands. Pourtant, ses employés travaillaient la viande à main nue, en dépit de toutes les règles d'hygiène élémentaire. Alors pourquoi les services sanitaires français se contentent-ils d'une simple vérification administrative? Nous, à partir du moment qu'il y a une marque de salubrité dessus, ça veut dire qu'ils sont suivis par un service officiel, qu'ils sont reconnus par un service officiel. Il faut savoir que les services officiels eux-mêmes sont contrôlés par la communauté européenne et qu'il y a une garantie d'application de la réglementation qui doit se faire dans ce sens-là. D'accord, ça je comprends bien, c'est le discours, mais comment on explique en Allemagne qu'il y a ces fameuses usines qui fournissent des kebabs en France qui sont vraiment dans un état déplorable? Je dirais ça, c'est un constat que vous pouvez faire. Nous, en tant que service de contrôle, on n'a compétence qu'en France, et notamment même que dans le département. Mais en France, ce serait fermé, ces usines? Ben, je ne les ai pas vues, donc je suis incapable de me prononcer sur l'état de conformité de ces usines. D'accord. Ok, très bien. Et nous, a priori, à partir du moment où il y a une estampille sur le produit, nous, on fait confiance à l'organisme de vérification de l'étain voisin, donc on n'est pas amené à pousser nos investigations plus loin. Malgré les contrôles, il peut donc arriver que certains produits alimentaires fabriqués à l'étranger soient très légalement distribués en France, alors qu'ils sont produits dans des conditions sanitaires plus que discutables. Ces problèmes d'hygiène sont récurrents dans la restauration rapide, mais manger vite et pas cher est devenu une priorité pour beaucoup de Français. Et le nombre de fast-food dans nos rues a littéralement explosé, plus 70% en 8 ans. Pourtant, jusqu'à récemment, aucun restaurateur n'avait encore pensé à lancer une chaîne consacrée à la plus rentable des spécialités culinaires, une spécialité bien française, la crêpe. Rapide à préparer et pas chère, complète, avec du jambon œuf fromage ou simplement beurre sucre, la crêpe, c'est un repas complet pour moins de 5 euros. Dans les grandes villes, on voit fleurir à chaque coin de rue de petites échoppes de crêpes. Car la crêpe, vous allez le voir, c'est tout simplement, et de loin, la plus rentable des spécialités pour la restauration. Nous sommes à Rouen, dans un centre commercial. Dans ce fast-food, on retrouve les mêmes menus que dans les autres chaînes de restauration rapide, et les employés travaillent à une cadence effrénée. Mais dans cette enseigne, pas de hamburger ni de frites. Ici, on a tout misé sur la crêpe, et ça marche. Il est midi, le restaurant bat son plein, la clientèle est variée. Des employés de bureau, des familles, chacun vient prendre sa pause déjeuner. Pour nous qui travaillons dans les bureaux avoisinants, c'est une très bonne formule. Les formules sont très bien faites et c'est moins de 10 euros, c'est bien. On a du mal à trouver moins de 10 euros quand même en mangeant convenablement, hors sandwich, parce que maintenant quand vous voyez le prix d'un sandwich, plus une boisson, en fin de compte c'est à peine plus cher. Le menu à 9,90 €, c'est une crêpe salée, une crêpe sucrée et une boisson. C'est économique et pourtant, vous allez le voir, même à ce prix-là, les restaurateurs gagnent beaucoup d'argent. Car la crêpe, c'est le produit qui rapporte le plus dans la restauration. Tristan Poussard et Axel Le Pomelec sont à la tête de cette enseigne. Ils ont 35 ans et il y a 2 ans, ils ont créé ce fast-food qui compte déjà 3 restaurants en France. Axel et Tristan ont travaillé dans la finance. Ils ont tout quitté pour se lancer dans l'aventure, avec toutes leurs économies. Et voilà. C'est des machines qui coûtent cher, ça, les machines? C'est des machines pas données, mais ce batteur-là, il tient 10 ans, donc il a quand même une durée de vie assez longue, et c'est notre principal outil de travail. Donc, Dans leur fast-food, la pâte à crêpes est faite maison.
Elle est préparée en grande quantité la veille et elle repose ensuite toute la nuit. Donc là, c'est une étape importante parce qu'il ne faut pas en gâcher. Et on va mettre tout ça dans la chambre froide. Axel et Tristan achètent leurs ingrédients en France et même s'ils ont choisi des produits de qualité, la fabrication ne leur coûte pas bien cher. Pour une crêpe salée, l'ingrédient de base, c'est la farine de sarrasin. Pour la farine, c'est origine fabriquée en Bretagne. C'est très important pour nous. Il y en a qui proviennent maintenant de pays comme la Chine. Tout le monde fait du sarrasin. Sauf que le savoir-faire français est bon et le goût s'en ressent. Alors c'est un peu plus cher. Une farine qui est plutôt industrielle, on est aux alentours de 1 euro le kilo. Pardon, ouais. Et là, on est plutôt quasiment au double. Autre ingrédient important, le sel. Gros sel de Guérande, de Bretagne, très important pour le goût. Il y a beaucoup de types de gros sel, il y en a des moins chers. Mais nous, on considère que quand on fait de la crêpe, et de la galette surtout, on utilise du gros sel de Guérande, qui est bien meilleur et qui ajoute un goût. Mais le coût le plus important pour une crêpe salée, ce sont les œufs. Et là, le prix varie selon le cours du marché. Alors les œufs, là, c'est un peu compliqué. On était en dessous de 10 centimes l'œuf. On est passé à 15, voire 20 centimes parfois l'œuf, parce que ça fluctue toutes les semaines. On vérifie toutes les augmentations de prix tout le temps. C'est hyper important pour nous. Au final, même en choisissant de bons produits, le coût de fabrication d'une crêpe reste très faible. Tristan et Axel ne s'en cachent pas. Le prix de revient d'une crêpe, elle nous coûte entre 10 et 15 centimes, la crêpe. La complète, on la vend à 6,30 euros. Et en gros, la marge est aux alentours de 70 à 75%. En clair, chaque fois qu'ils nous vendent une crêpe complète à 6,30 euros, Axel et Tristan gagnent 4,40 euros. Et c'est encore plus rentable avec la crêpe au sucre. La beurre sucre, on la vend 1,90. La marge, elle est assez élevée, du coup. Ouais. Au-dessus de 80%. 80% de marge, soit 1,50 euros de gain pour une crêpe au sucre, vendue 1,90 euros. Un record dans la restauration. Une crêpe au sucre ? Aujourd'hui, avec leurs trois fast-foods, les deux entrepreneurs réalisent un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Leur objectif ? Ouvrir une dizaine de restaurants d'ici 2015. Mais si Axel et Tristan encaissent déjà de très belles marges, ils ne sont pas les plus gourmands du secteur. Car la crêpe, vous allez le voir, c'est un produit qui peut rapporter bien plus encore. Paris, au pied de la Tour Eiffel. Ici, plus de 20 000 visiteurs se pressent chaque jour à l'ascension du monument le plus visité de France. Et parmi les commerçants qui profitent le mieux de cette manne touristique, il y a les marchands de crêpes. Dans cette petite boutique, par exemple, on trouve des crêpes parmi les plus chères de toute la capitale. 4 euros pour une simple crêpe au sucre. C'est deux fois plus cher que chez Axel et Tristan. Pour 4 euros, on pourrait s'attendre à une crêpe de qualité, mais est-ce vraiment le cas? Cette cliente arrive de Montpellier. Elle visite la capitale en famille pendant quelques jours. Et les crêpes, ça la connaît. Elle est crêpière de profession. Je vais la goûter, je vous dis ça tout de suite. Nous lui avons demandé de goûter les crêpes à 4 euros pour nous. Non. Un petit peu trop cru à l'intérieur, pas assez cuite, manque de parfum. Sur 10. Allez, on va être généreux, on va dire 4,5. 4,5 sur 10, une très mauvaise note pour la crêpe la plus chère de Paris. Et en réalité, si cette crêpe n'est pas au goût de tout le monde, c'est parce qu'elle n'est pas exactement préparée avec les ingrédients habituels. Nous nous sommes fait passer pour des commerçants et en caméra cachée, nous avons questionné l'employé d'une de ces baraques à crêpes au pied de la Tour Eiffel. Moi, je vais prendre une beurre sucre. Alors, on n'a pas du beurre. Bon, sucre alors, c'est bien. Vous faites la pâte à crêpes ? Non, c'est cuisinière. Vous les faites avec quelle farine ? On s'y intéresse parce qu'on est. On s'intéresse à la crêpe. En fait, oui, ça gagne beaucoup, hein, les crêpes. Oh là là. Mais je lui dis, oh là là, si c'est mon privé, oh, je suis riche. Pour 4 euros, c'est quand même beaucoup. Voilà. Et du coup, la crêpe à 4 euros, il y a une bonne marge. Oui, exactement. Ah. Ça, c'est cuisinier aussi. Ah, bah, elle est là, la cuisinière. Bonjour. On est en train de manger les crêpes et on se demandait en fait ce qu'elle était pas mal. C'est vous qui les faites? Oui. Ah, ok. Vous disiez que vous utilisiez une farine un peu spéciale. Oui.
C'est quoi comme farine? En fait, c'est les farines que le groupe utilise en fait. D'accord. C'est les farines, il y a tout mélangé dedans. Il y a tout mélangé dedans, c'est-à-dire? Les œufs, le lait et la farine. Et vous, vous rajoutez juste... On déshydrate en fait. Ah, tout est prêt en fait. Déjà, en fait, il y a juste qu'à mélanger avec de l'eau. Voilà. Ah, c'est bien ça. Et pourquoi vous utilisez ça et vous ne faites pas une pâte à crêpes vous-même? Parce que c'est plus avantageux financièrement. Et plus en gain de temps. Et vous le dites aux gens, ça, que vous utilisez la... Non. Le voilà donc le secret. Fini la pâte à crêpes à l'ancienne, les commerçants qui veulent débiter des centaines de crêpes à la journée auraient recours à une farine spéciale. Une farine qui, en fait, contiendrait déjà les œufs et le lait et à laquelle il suffirait de rajouter de l'eau. La cuisinière nous explique que la baraque à crêpes appartient à un restaurant situé sur une péniche à marais non loin. Nous l'accompagnons sur place. Ça vous dérange? Vous êtes le patron? En fait, on mange vos crêpes et elles sont délicieuses. Et en fait, on vient de Lille, on veut ouvrir une petite boutique. Donc, on voulait juste vous demander 2-3 conseils sur les farines, etc. Vous nous dites que vous utilisez une farine qui permet de faire les crêpes plus rapidement. Pâtes. Ah ouais? Pâtes. Je peux l'avoir pour noter le nom? Ça, c'est directement avec, avec notre économe. Direction la cuisine, où le cuistot nous présente le paquet de farine spéciale. Ouais. Juste pour nous donner le nom, on vous la montrer, puis après on y va. En fait, ça, comment ça se passe en deux mots? Vous mettez... Vous mettez l'eau dedans, puis voilà. Cette farine miracle, ce restaurateur n'est pas le seul à l'utiliser. Bien au contraire. C'est un produit très répandu chez les crêpiers. On en trouve facilement chez les grossistes, où les restaurateurs viennent s'approvisionner. Nous continuons de nous faire passer pour les propriétaires d'une crêperie. Dans le rayon des préparations pâtissières, le vendeur nous oriente vers cette farine spéciale. Bonjour. Aujourd'hui, elle est même en promotion. Si vous en prenez deux, troisième euros. D'accord, merci beaucoup. Super. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors voilà, donc pour 5,27€, on a 2,5 kg. Qui doivent en faire 50. Officiellement, ce produit porte le nom de mix farine. C'est une farine industrielle qui contient de la poudre d'œufs, des matières grasses laitières et des additifs. Ajoutez un peu d'eau et vous obtenez une pâte à crêpes au prix de revient imbattable. Elle coûte moins de 10 centimes d'euros. Sur les quais de Paris, certains marchands de crêpes les revendront 4 euros, soit 40 fois plus cher à leurs clients, une marge qui frôle les 98%. A-t-elle vraiment toutes les qualités d'une pâte traditionnelle? Pour le savoir, nous nous rendons à Mort, en Bretagne, à quelques kilomètres de Rennes, à l'école française de crêperie. C'est la référence de la crêpe pour les professionnels. Chaque année, 250 personnes sont formées dans cette école. Nous avons proposé à des élèves de comparer le fameux mix farine et une pâte à crêpes classique faite maison. Rapidement, des différences apparaissent. À gauche, la crêpe industrielle a une couleur plus foncée et à la cuisson, elle va se révéler beaucoup moins souple. Elle est plus difficile à travailler quand même. Hein. Oui, et une couleur beaucoup plus jaune ouais. Hein ouais. Que... Puis là, la spatule en inox, elle chauffe très vite, donc la pâte à crêpes elle colle. Il est temps maintenant de goûter. Pour notre test en aveugle, 4 élèves se prêtent au jeu. Devant chacun d'entre eux, nous disposons une crêpe industrielle et une crêpe faite maison. Dans chaque assiette, il y a un produit. Nous avons collé des étiquettes sous les assiettes pour être sûr de les distinguer. Les candidats touchent les crêpes, sentent leur texture et ils les goûtent. Leur verdict est unanime. Selon vous, quelle est la crêpe industrielle? Mettez la main dessus, oui. Voilà. Alors vous pouvez retirer vos bandeaux et retourner l'assiette que vous avez à la main. Donc vous avez la retourner complètement. Tous les élèves ont identifié sans difficulté la crêpe industrielle. Le goût est complètement différent. Ici, on a quelque chose qui est très neutre.
qui n'a pas vraiment de saveur. Là, sur une pâte traditionnelle, on va ressentir en fait tous les arômes qu'on va apporter de vanille, de sucre, et puis en bouche aussi, on a quelque chose qui est moelleux, qui est fondant, que là, on est sur quelque chose qui est plus sec, plus pâteux. Le mix farine donne apparemment des crêpes beaucoup moins savoureuses, mais il assure une rentabilité sans commune mesure. Alors, qu'en pensent ces futurs pros de la crêpe ? La marge de la crêpe est suffisamment importante pour ne pas jouer sur 10 centimes sur chaque crêpe, sur un marché de passage au pied de la Tour Eiffel où on a des milliers de personnes fête foraine, où on ne va pas capter en fait une clientèle qui va chercher à revenir pour un goût ou pour un produit de qualité. Ok, ça passe très bien. Maintenant, en restauration, je ne suis pas convaincu que ce genre de produit attire beaucoup de monde. Nous venons de le voir, en utilisant les ingrédients les moins chers, les industriels de l'agroalimentaire peuvent proposer des prix très bas sur beaucoup de produits. Et parfois, vous allez voir qu'elles sont prêtes à aller encore plus loin, quitte à changer radicalement les recettes de certains plats traditionnels. Exemple avec la quiche Lorraine. Au rayon frais ou surgelé, on la trouve à un prix imbattable, moins de 3 euros la quiche de 400 grammes. À ce prix-là, la quiche industrielle a-t-elle toujours le bon goût maison promis par le paquet ? À l'origine, une quiche Lorraine, c'est une recette simple. De la farine et du beurre pour la pâte, de la crème fraîche, des œufs frais, du jambon et de l'emmental pour la garniture. Mais lorsqu'on la fait maison, comme nos grands-mères, cela prend du temps, beaucoup de temps, et ce n'est pas un plat très économique. Mais pour cette jeune femme, pas question d'acheter une quiche toute prête. J'ai déjà testé celles qui sont au supermarché, j'ai trouvé ça pas très bon. Et je trouve que fait maison, certes, ça prend un petit peu plus de temps, mais la qualité est vraiment meilleure. Au total, entre la préparation et la cuisson, il faut près d'une heure pour faire dorer à point une quiche maison. À la sortie du four, cette texture fondante a un prix. Environ 15 euros au total. C'est 5 fois plus cher qu'une quiche de supermarché. Et vous allez comprendre pourquoi. Changement de décor. Direction non pas la Lorraine, mais la Charente-Maritime chez Atlantique Alimentaire, une autre usine du groupe Comigel. Ici, on fabrique à la chaîne 5 millions de quiches par an pour la grande distribution. 100 000 quiches par jour, c'est-à-dire 150 par minute. Pétries, puis moulées à la chaîne, là encore par des robots. Ces quiches seront vendues entre 1,50 € et 3 euros le kilo, selon leur taille, mais aussi selon le dosage de garniture. Il ne faut que quelques minutes pour les fabriquer, les cuire, les surgeler, puis les emballer. Grâce à ce rythme ultra intensif, l'industriel fait baisser ses coûts de production, mais pas seulement. Ce qui permet à Antoine Doré, le PDG, de gagner de l'argent, c'est surtout sa recette. Pour l'élaborer, il met lui-même la main à la pâte dans ce laboratoire installé au cœur de l'usine. Un endroit stratégique, bien loin de la cuisine de grand-maman. Antoine Doré a accepté de nous livrer ses secrets de fabrication pour deux sortes de quiches, qui n'ont plus de Lorraine que le nom. Car les ingrédients qui la composent sont parfois beaucoup plus exotiques. Tout d'abord, Antoine Doré va nous expliquer comment, avec les ingrédients traditionnels, il peut réaliser une quiche surgelée, commercialisée par une marque de distributeur à prix discount. On est sur un produit avec 30% de viande, un mélange jambon-lard. Et en termes de prix, au kilo ? Ça va être ici sur du 2,50 euros, 3 euros. Pour fabriquer cette quiche 5 fois moins chère qu'à la maison, un emmental et du beurre à prix discount. Mais encore une fois, c'est essentiellement sur la viande qu'Antoine Doré va faire des économies. Il n'utilise que des chutes de jambon industriel. Là, vous avez ce qu'on appelle des fausses tranches. C'est les tranches qui, sur les lignes de production, ont été cassées, que nous, on utilise pour découper et mettre en œuvre les quiches. On est sur un jambon qui va coûter 3 euros le kilo. C'est environ 5 fois moins cher que le jambon de charcuterie utilisé par la jeune femme. Mais Antoine Doré a fait encore plus fort.
il a trouvé la recette miracle pour préparer l'une des quiches les moins chères du marché, à seulement 1,50€, deux fois moins cher que la précédente. Alors là, on va avoir un premier produit de 200 grammes, donc qui va là plutôt être une entrée de gamme, donc avec un pourcentage de viande aux alentours de 10-15%. Pour cette quiche super discount, il ne va pas se contenter de faire des économies sur les ingrédients. Il va tout simplement les remplacer. À commencer par le jambon en tranches, qui laisse la place à ces drôles de petits dés. Vous avez ici un jambon donc différent de par sa conception. Donc celui-là nous arrive déjà découpé. Est-ce qu'il y a autre chose que de la viande dans celui-là ? Non, c'est de la viande, mais ce n'est pas forcément les mêmes parties du cochon que dans un jambon supérieur. C'est pas forcément, on va pas être sur les mêmes morceaux. En fait, cette viande provient d'un morceau de porc 2 à 3 fois moins cher que le jambon supérieur. L'autre avantage de ces dés, c'est d'éviter une étape de découpe, comme le faisait la jeune femme qui a préparé la quiche maison. À l'échelle industrielle, c'est un énorme gain de temps et donc d'argent. Mais ce qui fait la saveur d'une quiche, c'est aussi l'emmental. Pourtant, lui aussi va disparaître, remplacé par cette préparation fromagère. Voilà ici un emmental classique. Et puis ici, une préparation fromagère, avec à peu près 40% de fromage. Et puis des protéines de lait et de la matière grasse. Donc on va retrouver la texture du fromage. Donc, par contre, on sera forcément sur un produit moins cher, puisque le taux de fromage est moins important là-dedans. Beaucoup plus gras et beaucoup moins cher vu sa faible teneur en fromage. Cette préparation permet-elle aussi d'éviter une étape fastidieuse? Sur la chaîne de fabrication de l'usine, pas besoin de râper. La mixture se dissout à la cuisson. Mais quel goût peut bien avoir cette préparation fromagère? Le PDG admet que c'est beaucoup moins savoureux qu'un emmental de pays. Là, il y a une différence de goût? Oui. Oui, celui-là est beaucoup plus puissant, mais c'est normal. Là, on est sur du 100% emmental. Là, on est sur du 40%. Heureusement qu'il y a une différence de goût. Mais il y a quand même du goût dans le fromage, la préparation. On sent le goût du fromage. Enfin, exit le beurre, place à la margarine. Ici, on peut par exemple utiliser une margarine qui coûte aux alentours de 1,10€ le kilo. Alors que si on veut utiliser du beurre, comme là, même si visuellement il n'y a pas trop de différence, le beurre, ça va être plutôt entre 4€ et 4,50€ au kilo. 4,50€, la margarine, c'est donc 4 fois moins cher que le beurre. Résultat, une quiche à prix plancher. 1,50€, soit près de 5 fois moins cher qu'une quiche maison. Et tout cela, grâce aux produits de substitution industrielle.